Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un reportage animalier et pourquoi pas. Regardez, nous retrouvons notre chère tortue Kiwi avec laquelle vous aviez fait connaissance lors d'une de nos premières vidéos. Vous savez ce qu'elle fait? Elle sort d'hibernation. Je ne vais pas l'aider à sortir de son trou. Elle sait se débrouiller toute seule depuis 80 ans. Elle est dans la force de l'âge. Cette espèce peut vivre 200 ou 300 ans. Après un isolement auquel on a été soumis, tel une maladie ou plus généralement une épreuve de vie, on est appelé à renaître, comme Kiwi qui ressort de terre. Peut-être avec des difficultés au début pour s'extraire de son alvéole hospitalière, pour se réaccoutumer à la vraie vie, retrouver sa place. Comme Kiwi sur ces images, il est normal de se sentir temporairement sonné une fois que les traitements sont terminés. Après avoir été très entouré par les soignants et les proches qui se sont montrés prévenants, il n'est pas rare qu'on ressente à la sortie de l'hôpital une certaine forme d'abandon. On entend « Ah bah ça y est, il est tiré d'affaire !» Les autres croient que désormais tout va forcément bien aller. Mais ce n'est pas si simple. Ça dépend des patients. Comme l'a dit Nietzsche, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives sur la vérité. Pourtant, renaître est fondateur, vivre ses guérisons transporte, la vie appelle la vie. Il y a quelques années, alors que j'étais en convalescence, une amie m'a dit, le corps retrouve toujours son équilibre. Cette phrase m'a fait du bien, elle m'a donné confiance en l'avenir et en plus, avec le temps, elle s'est avérée très juste. Éric Emmanuel Schmitt a joliment écrit « La confiance est une petite flamme qui n'éclaire rien, mais qui tient chaud. » Je suis sûr que Kiwi est animée par cette petite flamme, qu'elle a confiance en elle, elle sait qu'elle va renaître. Ses premiers jours seront laborieux, mais au bout d'un moment, la tortue courra presque comme un lièvre. Et plus elle y croira, mieux ça ira. C'est sans doute pareil pour ceux qui sortent d'une longue et pénible période de traitement. Voilà, merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.